Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc un petit vidéo recap aujourd'hui encore une fois. J'en avais fait les deux, trois dernières fois que j'ai été au Rocket de Laval. Puis cette fois j'ai retourné au Rocket. Donc le Rocket qui sont en playoff présentement en série, en troisième round, mène la série 2-0 au moment que je fais la vidéo, contre Rochester. Donc j'ai été pour faire les deux équipes, faire signer quelques joueurs et tout. Donc je vais vous présenter le stock que j'ai rapporté signé et tout ça. Donc pour commencer, j'ai acheté également une petite POC du... l'échauffement, donc Rocket contre Americans, donc contre les Rochester, donc une petite rondelle comme ça avec les certificats du Rocket de Laval, sticker et tout, de la Coupe Calder 2022, c'est éliminatoire de la Coupe Calder. Ensuite, je vais commencer par vous présenter des cartes que j'ai faites signer. J'ai également des cartes que ma cousine m'a aidé à faire signer également. J'ai des photos également autographiées. Donc, on va commencer par le Rocket de Laval. On commence avec ici. Une petite Gabriel Bourque, donc comme ça, first goal de Gabriel Bourque, autographe in person, donc c'est tout autographié évidemment en personne. Ensuite, on a deux Yessi Ilonen, donc sa carte recrue du set recrue, dans le fond du set qui ont fait la box set, qui ont fait donc deux Yessi Ilonen. Ensuite, j'ai une Kevin Poulin comme ça, un autre petit Kevin Poulin. On a Cameron Ellis dans son AHL. Ça, c'est 2018-2019. On l'a ici dans 2019-2020, comme ça. AHL également de Cameron Ellis. Sa Young Gun de Cameron Ellis. Alex Belzile Young Gun. Alex Belzile Marquee Rookie Retro. La Marquee Rookie de Alex Belzile. La Marquee Rookie également, la Red Version. On a également une trilogie ici, Rookie Rendition d'Alex Belzile, suivi d'une... Portraits, donc plusieurs Belzile que moi et ma cousine on a fait signer. Il y en a d'autres dans l'autre pile également que ma cousine m'a aidé, que j'ai donné à ma grand-mère pour sa collection et tout. Donc on y va avec quelques Raphaël Hervé Pinard, comme ça ici. Donc Raphaël Hervé Pinard, toujours très généreux, signe toujours tout ce qu'on a. Ici on a 4 Star Rookie comme ça, autographe in person. Il y en aura probablement des Star Rookie d'Hervé Pinard disponibles que je vais rendre disponibles puisque j'en ai déjà plusieurs comme ça d'Hervé Pinard. Et comme ça, Star Rookie avec le Rocket de Laval. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire entre autres sur Instagram. On pourra s'entendre sur un prix ou quelque chose comme ça. Ou un échange. Donc, on y va maintenant avec deux Funny Pop que j'ai fait signer. Celle-ci par Kevin Primo. Et également celle-ci. Donc, ils ont vraiment, vraiment trouvé très cool les Funny Pop. Ils ont vraiment trouvé cool et belles. Donc, je suis bien content de les avoir fait signer les deux Funny Pop de Kevin Primo comme ça. Ensuite, je vais vous présenter la pile que ma cousine m'a aidé pour faire signer. Ensuite, on va passer aux photos 8x10 et au stock de Rochester par la suite. Donc, on a Cameron Ellis ici, encore une fois, comme ça. Un autre Cameron Ellis Young Gun. Un autre Cameron Ellis. Raphaël Hervé Pinard CHL. Raphaël Hervé Pinard Fall CHL. La Gold Version, comme tantôt. Un autre Star Rookie. Gabriel Bourque, comme tantôt, First Goal. Un autre Alex Belzile. Alex Belzile, Kevin Poulin, comme ça, dans AHL. Avec le club école des Islanders de New York. Un autre ici, Rookie Traded. Deux Yessi Ilonen comme ça, encore une fois. Et une belle petite Kaden Primo. Debut, Ticket Access Autograph. Ensuite, on va passer maintenant aux photos que j'ai faites signer. Donc, il y en a une pile que c'est à moi, l'autre pile que j'ai donnée à ma grand-mère. Donc, ma cousine m'a aidé à faire signer. Donc, on commence avec une Jenny Fairbrother. Donc, la signature est peut-être moins bien sortie. J'aurais peut-être été mieux en gold. En plus, mon crayon, il n'a pas super bien marché, comme vous pouvez voir ici. Il n'a pas super bien marché pour le silver. Je ne sais pas pourquoi. Je l'avais testé la fois d'avant, puis il avait bien marché. J'ai peut-être fait signer trop de trucs avec, je ne sais pas. Ensuite, on y va avec une belle Kevin Poulin. Elle est vraiment belle, la photo, signée ici. Ça, c'est quand il avait été le joueur du mois dans la AHL ou de la semaine. Et le Rocket avait fait un petit montage comme ça. Vraiment une belle photo. On poursuit avec une Joel Teasdale, comme ça, autographe. Suivi d'une... Louis Belpedio, dans le Rocket. On a également Gabriel Bourque ici, dans l'uniforme des Prédateurs de Nashville. Suivi d'un autre Gabriel Bourque ici, dans l'uniforme des Canadiens de Montréal. On poursuit avec une Corey Schoeneman, ici, comme ça. Corey Schoeneman. Corey Schoeneman Celebration, donc à sa célébration d'un but qu'il a fait. Très belle photo. On poursuit avec Kaden Primo. Kaden Primo, autographe. Un autre qui est vraiment belle, je l'aime vraiment celle-là avec la rondelle et tout qui s'en va dans sa mythe avec le chandail Fight Cancer. Donc pour le cancer et tout, vraiment belle, vraiment une belle signature, une grosse signature, très content. On poursuit avec une Yessi Ilonen.
Comme ça, 8 par 10 également. C'est des 8 par 10, les photos que j'ai. Un autre ici, ici, Lenin. Maintenant, avant de passer au stock de Rochester, on va passer avec l'autre pile que ma cousine a fait signer également et que j'ai donné quelques-unes à ma grand-mère pour sa collection. On a une Joel Teasdale ici dans le Canadien de Montréal. Belle photo également. Bataille pour la rondelle avec Keith Yandel. On a un autre Louis Belpedio comme ça, comme tantôt. Même chose pour la Gabrielle Bourque, comme tantôt. On a Corey Schoeneman également à son first and actual goal. Belle célébration comme tantôt, mais pas la même photo. On a une autre Schoeneman dans le Rocket. Celle-ci est identique à tantôt. On a la Kaden Primo comme ça. Une belle petite Kaden Primo encore. Un autre Johnny Fairbrother comme ça. Et on termine avec deux belles Yessi Lonen. Celle-ci dans le Rocket de Laval. Vraiment belle photo. Et celle-ci dans le Canadien de Montréal. Ensuite, les prises pour le Rochester Americans. J'ai fait signer un petit logo ici par quelques joueurs. Donc, il y a des joueurs un peu moins connus. Il y a Josh Blum, entre autres, dedans. Donc, je vais marquer derrière tantôt avec les numéros, aller voir le roster. C'est des joueurs qui ne jouaient pas, qui étaient en surplus. J'ai fait signer avant la game. Puis après la game, on a fait signer, entre autres, Michael Husser. Donc, j'avais Cy Young Gun. J'ai fait autographier. Très content. Et les grosses prises du jour, c'est évidemment celle-ci de Peyton Krebs. Celle-ci également avec Buffalo de Peyton Krebs. Très content. Grosse prise cette fois. Encore une fois, à chaque fois que je vais à des clubs juniors, il y a toujours des bons jeunes dans l'autre équipe. Donc, c'est quand même cool de les faire signer. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de les voir comme le Rocket. Donc, ici, on a Jack Quinn. Et oui, Jack Quinn, le jeune qui a été repêché 7e, je crois, au total en 2021 par les Sabres de Buffalo. Jack Quinn ici. Et un autre belle Jack Quinn. Celle-là est vraiment belle. Donc, très content de ma récolte, et je voulais vous présenter ça aujourd'hui, en fait, ma récolte que j'ai eue lundi, en fait, quand j'étais à game du Rocket contre Rochester, et je voulais vous présenter cette récolte aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Merci, au revoir, à bientôt.